Bonjour téléspectateurs, devant vous c'est Apolline Chongo Dorcas. Bonjour, je m'appelle Michel Soyer. Bonjour à tous, je me nomme Evoie Marie Michel. Présentement je suis à Goma. Et je vous accueille à Paris devant l'Arc de Triomphe. Une jeune artiste slameuse et guerrière de la parole. Je suis moi-même metteur en fête, j'organise de grandes manifestations à Paris. Élève en classe de 3e au lycée Sainte-Marie de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire, et membre du club Les Amis de la Chimie. Alors, je vais vous lire un très joli poème de Charles Baudelaire qui va vous faire tous rêver et qui s'appelle « Élévation ». C'est une hymne à la résilience, une profession de foi face aux difficultés, aux vicissitudes de la vie. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, les montagnes, le bois, les nuages de mer, par-delà le soleil, par-delà les esters, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière le chagrin, les vastes ennuis qui chargent de leur poids l'existence brumeuse. Heureux celui qui paie d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin, prennent un libre essor. Qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. La vie n'a jamais été toute rose, vous le savez. Le rose en des épines. Les années coulées, on a dû affronter des problèmes plus grands que nos tailles peut-être. Pour ce nouvel an, je souhaite le courage de les surmonter de plus. Je souhaite le succès, la prospérité et surtout le bonheur dans sa vraie définition. À notre nation sœur, la Chine, je voudrais souhaiter mes vœux de prospérité économique, de bien-être social et de renforcement optimal de cette coopération qui nous lie. À tous nos téléspectateurs, je vous souhaite mes vœux le meilleur de l'an 2022. Je souhaite que Dieu réponde à vos désirs le plus profond. À l'endroit de tous et à chacun des téléspectateurs, je formule des vœux de réussite, de santé et de joie immense. À mes camarades élèves, je souhaite une réussite scolaire. À mon établissement, je souhaite 100% à tous les examens et 100% aux promotions internes. À mon pays, je souhaite la prospérité sociale. Au monde entier, je souhaite la paix. Demeurons forts, soyons des tigres. Eh bien, je souhaite à tous mes amis de par le monde une excellente année 2022 et venez nous voir bientôt à Paris. C'est une ville lumière, c'est une ville formidable, une ville de luxe et de prestige et de bonheur. Waouh !